Texte choisi pour aujourd'hui, pour la prédication d'aujourd'hui, se trouve dans le, le premier Épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Le magnifique, le formidable chapitre 15 sur la résurrection. Une portion incomparable des Écritures saintes. Je, je lirai seulement une partie de ce, de ce long chapitre. Nous lirons les versets 35 à 49. Corinthiens 15, 35 à 49. Écoutons la bonne parole de notre Dieu. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil. Autre, l'éclat de la Lune et autre, l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Sommet corruptible, on ressuscite incorruptible. Sommet méprisable, on ressuscite glorieux. Sommet plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Sommet corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Prions ensemble. Nous te louons, éternel notre Dieu, de faire briller ta lumière dans la création, de l'avoir fait briller aussi à la sortie du tombeau le matin de Pâques, de nous promettre de faire briller cette lumière de manière tellement éclatante au dernier jour, à la résurrection des morts, et te prions de faire briller ta lumière aujourd'hui dans nos cœurs, par ta parole sainte, par ton Esprit Saint. Accomplis cette œuvre en nous, nous t'en prions. Nous sommes à ton écoute, donne-nous une écoute attentive, humble, joyeuse, respectueuse. Afin de grandir dans notre foi, d'être fortifié intérieurement et d'être conduit dans notre service envers toi et notre prochain, nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, en Jésus ressuscité, vous qui êtes réunis ici et vous qui êtes retenus à la maison, Alléluia, oui, le Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Notre pire ennemi a été vaincu. Jésus est revenu de la mort à la vie. Alléluia, il est vivant aujourd'hui et pour toujours. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'événement plus important que la résurrection du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul nous dit au verset 3 et 4 de ce chapitre, il ouvre ce chapitre en disant, ⁇ Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. ⁇ C'est le cœur de l'évangile résumé en une phrase. Cet événement passé est le fondement de notre espérance à venir. Tout ce magnifique chapitre 15 de cette lettre nous fait tourner les regards vers notre résurrection à venir à cause de la victoire du matin de Pâques. Versets 20 à 23 nous dit ceci Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme primice, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Les primices, ce sont les premiers fruits, la première partie de la récolte à venir. Si vous avez un jardin, vous allez préparer un jardin ce printemps pour cet été et que vous cultivez du maïs. Quand vous allez trouver le premier épi bien mûr, vous allez savoir ce qui s'en vient. Vous allez savoir qu'une belle récolte de maïs vous attend. La résurrection du Christ est le premier fruit de la grande récolte à venir. Jésus est ressuscité alors le grand jour de la résurrection des morts est pour bientôt. C'est un grand événement, le plus grand événement de tous les temps après la résurrection du Christ que nous attendons. Sa résurrection est la garantie certaine de notre résurrection. Quel avenir merveilleux nous avons. Mais la résurrection soulève bien des questions. L'apôtre Paul ici anticipe certaines de ces questions au verset 35, donc au début de notre passage. Première question, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils Autrement dit, comment est-ce possible pour des morts de revenir à la vie Par quelle force, par quel pouvoir un corps mort et ensuite décomposé, peut-il revenir à la vie, peut-il ressusciter? Deuxième question, avec quel corps reviennent-ils? Autrement dit, allons-nous revenir dans le même corps que nous avons aujourd'hui ou dans un corps complètement différent? À quoi ça va ressembler, ce corps ressuscité? Au temps de l'apôtre Paul, bien des gens dans le monde païen, juif, et chrétiens se posaient ces questions, ce genre de questions. Et encore aujourd'hui, nous avons très souvent les mêmes questions, le même genre de questions. Et voici la réponse en résumé La puissance du Christ nous ressuscitera dans un corps glorieux comme le sien. C'est le thème de cette prédication La puissance du Christ nous ressuscitera dans un corps glorieux comme le sien. Nous verrons les deux parties suivantes. Premièrement, le témoignage de la création, qui se trouve au verset 36 à 41. Et puis, le témoignage de la résurrection, dans les versets 42 à 49, mais nous verrons surtout verset 42 à 45. Le témoignage de la création, tout d'abord. Il est remarquable, n'est-ce pas, que Paul commence par présenter le témoignage de la création, autour de nous. Contrairement aux apôtres, nous n'avons jamais vu un mort revenir à la vie, bien entendu. Mais nous voyons de nos yeux bien des choses autour de nous, le témoignage de cette création. Voilà une bonne façon de commencer avec des sceptiques et aussi avec des personnes qui se posent tout simplement des questions sur la résurrection. Ça peut paraître très étonnant. Mais quand nous regardons autour de nous, même s'il n'y a pas ce phénomène de résurrection en tant que tel, nous voyons beaucoup de choses qui peuvent nous aider à croire dans la résurrection. Et oui, regardez par exemple ce phénomène bien connu qui est agricole. Verset, 20, verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Qui donc est insensé ici? C'est assez brutal comme début de réponse. Est-ce que c'est le croyant ou l'incrédule? C'est l'incrédule car nous voyons devant nos yeux la puissance de Dieu en action dans la création. Vous pensez que le corps, une fois mort et enterré, ne peut pas revenir à la vie? Eh bien, regardez la graine de blé. Une fois disparue dans la terre, la graine revient à la vie en quelque sorte, pour produire quelque chose de, de plus grand, de meilleur. Un petit pépin produit un pommier, lequel pommier produit à son tour des centaines de pommes chaque année. Voyez toute la force qui se déploie à partir d'une toute petite graine enfouie dans la terre qui disparaît à nos yeux. Ça nous paraît banal, c'est un phénomène que nous connaissons très bien. Et nous en profitons chaque jour que nous mangeons de bons aliments euh, sur la table. Pourtant, quand on y pense, c'est la puissance de Dieu en action qui produit ce résultat. Avis aux sceptiques, avis aux questionneurs. L'incrédule dira Je n'ai jamais vu un mort ressuscité, alors je ne peux pas croire à la résurrection. Je me base sur la science. Et la science me dit que ça n'est jamais arrivé, je ne le vois pas, je ne peux pas en faire l'expérience, ça n'existe pas. Le croyant dira, je vois de mes yeux la puissance de Dieu en action de manière étonnante autour de moi. Je vois déjà cette puissance en action. Alors qu'est-ce qui empêche Dieu, le Dieu Tout-Puissant, de faire une action encore plus étonnante? Vous voyez, c'est un peu le genre d'argument que Paul nous sert ici. Tu te demandes comment la résurrection est possible Insensé Regarde cette graine qui meurt et qui produit une abondance de vie. Entre la graine mise en terre et la plante qui en résulte, il existe des différences, il existe aussi des ressemblances. Un érable est énorme comparé à la petite samar, mais la samar... Ne peut produire qu'un érable. Elle ne, peut pas, elle ne peut pas produire un plant de tomate. Dieu est puissant, mais il est cohérent. Il est fidèle. Paul souligne d'abord la différence au verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain. La différence. Puis il note la ressemblance au verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Autrement dit, chaque semence produit selon son espèce. Différence et ressemblance. Et voilà déjà un début de réponse aux deux questions précédentes. Comment les morts ressuscitent-ils par la puissance de Dieu? Voilà la réponse à la première question. Un peu comme la puissance en action sous nos yeux dans la création, mais bien sûr avec une force encore bien plus grande. Avec quel corps les morts reviennent-ils? Deuxième question. Avec un corps très différent, nous en convenons, et en même temps très semblable. Notre nouveau corps ne sera pas un corps de vache, de singe, de grenouille ou que sais-je. Ce sera un corps humain en chair et en os, le même corps que nous avons maintenant, mais bien meilleur et bien supérieur, avec des propriétés nouvelles. Exactement comme le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui a été crucifié, transpercé, qui a souffert dans son corps, qui est mort, mis au tombeau, et le troisième jour, qui s'est relevé. Et sorti du tombeau vainqueur, son corps glorifié, le même corps avec les marques en ses mains, sur son côté, mais complètement transformé. Dans les versets suivants, Paul s'intéresse particulièrement à la deuxième question Avec quel corps ressuscite-t-il D'ailleurs, c'est le plus souvent la question qui nous intéresse, n'est-ce pas À quoi ressemblerons-nous quand nous reviendrons à la vie, de quoi est-ce que nous aurons l'air Paul y répond, ici, dans les versets suivants, et il continue d'observer un moment ce que l'on voit dans la nature. Verset 39, Toute chair n'est pas la même chair. Et là, il fait une petite excursion zoologique. Il y a la chair des humains, et il y a celle des animaux, celle des oiseaux, celle des poissons, et nous savons très bien, qu'un poisson, un oiseau, un mammifère, un humain sont tous bien différents les uns des autres. Ensuite, petite excursion astronomique, les corps célestes sont différents des corps terrestres. Une étoile et une roche, évidemment, c'est très différent. Même les corps célestes entre eux sont différents, soleil, lune, étoile. Et même les étoiles entre elles diffèrent l'une de l'autre. L'une est plus brillante que l'autre, l'une est rouge, l'autre est bleue. Toutes ces créatures sont constituées des mêmes matériaux de base, les éléments du tableau périodique, hydrogène, carbone, oxygène, azote, etc. Et pourtant, voyez l'immense diversité que Dieu a pu produire à partir de ces quelques matériaux de base. C'est un peu comme le jeu de blocs Lego qui nous permet de construire toutes sortes de constructions très différentes, très variées qui fait la joie des enfants et parfois des grands aussi. Avec quel corps allons-nous ressusciter? Avec un corps qui aura essentiellement la même substance que notre corps aujourd'hui, mais avec des propriétés très différentes. Ce sera notre corps humain, mais grandement amélioré, complètement transformé. Si Dieu est capable de faire des étoiles différentes l'une de l'autre, il est certainement capable de ressusciter notre corps avec un éclat bien différent de notre corps actuel, n'est-ce pas? Bon, alors l'observation de la création, c'est bien intéressant, mais ça a ses limites. Pour en savoir plus, écoutons maintenant la révélation spéciale que Paul a reçue de Dieu. À propos de la résurrection à venir. Donc, notre deuxième partie nous amène à considérer le témoignage de la résurrection dans les versets 42 et suivants. À partir du verset 42, Paul nous fait regarder maintenant à la résurrection à venir. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Donc, il se base sur ce qu'il vient de dire à propos du témoignage de la création, mais fait un pas de plus vers l'avenir. Mais un instant, diront les sceptiques, le témoignage de la création, nous pouvons l'observer de nos yeux, mais la résurrection à venir, qui l'a déjà vu pour pouvoir en parler? Tout ce que nous voyons, ce sont des personnes qui naissent, qui vivent et qui meurent, et leur corps qui se décompose. C'est tout ce que nous pouvons voir. Oui, c'est vrai. Mais n'oublions pas une chose. Notre espérance de la résurrection à venir, repose sur des événements qui se sont déjà produits dans le passé. Ce n'est pas un espoir, un vague espoir basé sur quelque chose de nébuleux. Notre espérance de la résurrection à venir est fondée sur le Christ ressuscité en personne qui a été vu par de nombreux témoins. Ils l'ont vu, ils l'ont observé, ils ont constaté ce fait. Indéniable. En 1 Corinthiens 15, Paul commence en fait non par le témoignage de la création, puisque le chapitre ne commence pas au verset 35, mais par les témoins de la résurrection. Donc si nous reculons, versets 5 à 8, il a été vu par ses c'est-à-dire l'apôtre Pierre, puis par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Et il énumère d'autres exemples. « Puis, après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. » Le ressuscité s'est fait voir devant de très nombreux témoins. Et n'oublions pas que ces témoins, au départ, étaient des sceptiques eux aussi. C'était des Thomas qui voulaient voir et toucher pour croire. Eh bien, ils ont vu. Et ils ont touché le Seigneur Jésus ressuscité. Ils ont mangé avec lui. Ils ont finalement cru parce qu'ils ont vu et parce que le Saint-Esprit a ouvert leur cœur incrédule. Il ne suffit pas de voir des faits, mais aussi ça prend l'œuvre de l'Esprit-Saint dans nos cœurs. La foi, donc, est fondée sur des faits réels, objectifs, historiques. Que l'Esprit utilise ensuite dans nos cœurs pour nous donner confiance en Lui et nous faire saisir les promesses qui se rattachent à ces faits historiques. C'est ainsi que Paul dira au verset 17 Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. C'est totalement inutile. Si cet événement ne s'est pas produit dans l'histoire il y a 2000 ans, notre prédication est tout simplement inutile. Nous n'avons aucune espérance. Il faut fermer boutique. Ça ne donne absolument rien de continuer cette aventure sans espoir véritable. La bonne nouvelle, c'est que de nombreux témoins ont rendu ce témoignage qu'ils ont mis par écrit dans les textes du Nouveau Testament. Christ est vraiment ressuscité. Nous l'avons vu en chair et en os et paul en fait partie de ces témoins bien qu'il l'ait vu plus tard bien qu'il l'ait vu de manière un peu différente des autres apôtres paul l'a vu également et donc il est certainement autorisé à nous parler de la résurrection à venir puisqu'il a déjà vu le christ ressuscité avec quel corps les morts qui croient en jésus reviendront ils à la vie au dernier jour avec un corps semblable à celui du Christ ressuscité que j'ai vu de mes yeux, dit l'apôtre Paul. Très certainement, la résurrection est un grand mystère. Il reste et il restera encore bien des questions que nous ne pourrons pas répondre parce que Dieu nous révèle jusqu'à un certain point beaucoup de choses, mais à un certain moment donné, il s'arrête et nous devons nous arrêter avec lui. Il y a des choses que nous ne pourrons pas saisir et comprendre encore d'ici le dernier jour où là nous verrons. Mais toutefois, la magnifique description des versets 42 à 45 nous suffit amplement et nous encourage tellement. Quatre fois, Paul répète, semer d'une telle façon, on ressuscite d'une autre façon. Comme la graine qui tombe en terre, qui meurt et qui reprend vie selon son espèce, mais beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup euh, supérieur. Versets 42 et 43. Sommet corruptible, on ressuscite incorruptible. Sommet méprisable, on ressuscite glorieux. Sommet plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Oh, quelle belle espérance nous avons. Notre corps deviendra incorruptible, immortel, resplendissant de gloire, plein de force. Encourageons-nous par ces paroles, consolons-nous par ces paroles. Elles sont tellement d'actualité. Nous savons très bien que nous sommes mortels. Je ne vous apprends rien. Mais avec la pandémie actuelle, cette réalité est devenue flagrante. Cette pandémie planétaire fait ressurgir partout la peur de la mort, la peur même de côtoyer les autres et de provoquer ainsi la mort. Un tout petit virus nous rappelle notre grande faiblesse et notre mortalité. Pourtant, il n'y a pas que la COVID sur Terre, hein? il faut se rappeler ça. Il n'y a pas que la COVID. Les causes de mortalité sont nombreuses. Maladie cardiaque, maladie pulmonaire, cancer, maladies dégénératives, accidents, guerres, violence, etc., etc. Pourtant, en se fixant tellement sur la Covid, on a l'impression d'espérer parvenir peut-être un jour au risque zéro, plus aucun risque. Eh bien, le risque zéro, ça n'existe pas d'aucune façon. Ce qui existe, c'est le risque 100 Après le péché de nos premiers parents, désormais, désormais le corps humain est sommé, corruptible, méprisable, plein de faiblesses et d'infirmités mortelles. Il est certain, 100 certain, que nous allons tous mourir à moins que Jésus revienne avant. Quelle est notre réaction face à cette mort certaine qui nous attend tous? Comment est-ce que nous réagissons? Eh bien, regardons en Jésus. Il est vraiment ressuscité. En lui, nous avons une merveilleuse espérance, celle de retrouver notre corps en chair et en os, immortel, incorruptible, saint, vigoureux. Nous ne serons plus jamais affligés d'aucune maladie, aucune infirmité, aucun mal de dos, aucune migraine, aucun nez qui coule, aucun danger d'attraper quelque virus malfaisant que ce soit. Nous serons toujours en parfaite santé. Nous serons rayonnants de beauté et de gloire, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous serons, bref, semblables. À notre parfait Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En dehors de cette espérance, tout ce qui reste, ce sont de faux espoirs. Le faux espoir, par exemple, qu'on pourrait éviter le jugement, le jugement de Dieu, en s'imaginant qu'après la mort, il n'y a plus rien, c'est la poussière et c'est tout. Donc, il n'y aura pas de jugement de Dieu. Faux espoir. Le faux espoir de la réincarnation, en s'imaginant revenir dans des corps d'animaux dont le corps est certainement bien moins digne que le corps humain, et de toute façon qui est mortel aussi, avec le but ultime de disparaître un jour dans le vide cosmique. Il n'y a pas d'espoir là, vraiment. Aucun espoir. Il y a aussi le faux espoir du transhumanisme. Qu'est-ce que le transhumanisme c'est une, une façon, une culture, une, un mouvement culturel, intellectuel, qui espère améliorer nos capacités physiques et mentales à travers les progrès de la médecine, de la biotechnologie, de la génétique, de la robotique, de la nanotechnologie, de l'intelligence artificielle. Bref, c'est très complexe comme mouvement, mais... Les transhumanistes, en quelque sorte, espèrent vaincre la souffrance, la maladie, le vieillissement et même la mort au moyen de la science et de la technologie. Rien de moins. On espère devenir des hommes bioniques et des femmes bioniques. Ça rappellera des souvenirs à certaines personnes à propos de la femme bionique. Au fond, on veut remplacer le Dieu créateur et rédempteur pour essayer d'atteindre l'immortalité par nous-mêmes. C'est ça le projet du transhumanisme. Quelle déception ce sera au bout de la route Sans parler des gâchis que cela pourra produire en cours de route quand on essaie de patenter des hybrides entre l'homme et la machine. On ne sait pas qu'est-ce qui peut en ressortir. Et puis au bout de la route. Soyons réalistes, la mort nous attend tous, inéluctable, impossible à vaincre par nous-mêmes. Pour ressusciter incorruptible et plein de gloire, il faut d'abord mourir, à moins que Jésus revienne avant et nous transforme directement avec notre corps glorifié. Et pour mourir en paix, dans l'espérance de la résurrection, il faut d'abord trouver refuge aujourd'hui. En Jésus ressuscité. Lui seul a vaincu la mort. Lui seul est puissant pour nous ressusciter. Mais que veut dire le verset 44? Il reste ce petit verset qui peut être intriguant. Sommet corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un corps spirituel? S'agit-il d'un corps immatériel, on pourrait dire un corps non-corporel, plutôt contradictoire, un corps non-corporel, un esprit flottant dans les airs? Non, non, pas du tout, bien que certains chrétiens espèrent un jour se débarrasser de leur corps, comme les Grecs, par exemple, et probablement aussi à Corinthe, il y avait cette pensée que le corps est la prison de l'âme. Et enfin, une fois dégagés de cette prison, bien, nous pouvons vivre libres, sans corps. Libérés de toute cette misère sur la terre pour enfin nous envoler au ciel. Eh bien, pas du tout, cette idée païenne n'a rien à voir avec l'espérance chrétienne. Nous n'espérons pas sortir de la prison de notre corps pour nous envoler au ciel. Nous espérons habiter sur la nouvelle terre avec notre corps corporel en chair et en os, un corps transformé, puissant, rayonnant de beauté, parfaitement adapté à ce nouvel environnement. Donc quand Paul, dans les versets suivants, parle du terrestre et du céleste, il n'est pas en train de dire que nous serons vaporeux dans le ciel, il est en train de parler d'une réalité nouvelle venant du ciel. Mais qui sera vécu dans la nouvelle création, dans notre corps glorifié. Bien sûr, à notre mort, le corps et l'âme se séparent, mais c'est temporaire, en attendant qu'ils soient réunis à nouveau au jour de la résurrection. Alors, on peut traduire le verset 44 plutôt de cette façon semé corps animé, corps-âme, on ressuscite corps spirituel. Le contraste ici n'est pas entre la matière et l'esprit, mais entre l'âme et l'esprit. Nous avons aujourd'hui un corps animé, contrôlé par notre âme, qui est encore pécheresse, bien que purifié, bien que déjà transformé en partie, mais quand même encore pécheresse. Et au dernier jour, nous aurons un corps entièrement sous le contrôle du Saint-Esprit, un corps spirituel, c'est-à-dire animé, dirigé, contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu. Autrement dit, le verset 44 ne nous dit pas de quoi nous serons faits, quel sera le matériau qui, compose, qui composera notre corps, mais nous dit ce qui va nous diriger. Prenez par exemple l'image d'un bateau. Il ne s'agit pas de savoir si le bateau est en bois ou en acier, il s'agit de savoir si c'est un voilier ou un bateau à moteur. Donc, on ne veut pas savoir de quoi le bateau est fait, on veut savoir comment le bateau peut avancer, comment il peut se mouvoir. À notre résurrection, notre corps sera complètement rempli du Saint-Esprit, dirigé par l'Esprit de Dieu, et alors nous serons véritablement humains à 100%. Son règne sur nous sera parfait. Voyez d'ailleurs le verset 45, le premier homme, Adam, devint un être vivant, et on pourrait traduire une âme vivante, c'est le même mot. Le dernier avant, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Quand Jésus est-il devenu un esprit vivifiant Eh bien, à sa résurrection. Il avait son corps, mais animé de l'Esprit Saint, qui était, qui est vivifiant, qui donne la vie nouvelle. À la Pentecôte, il a déployé cette puissance. Le Christ ressuscité est puissant pour nous donner son Esprit vivifiant. Et déjà aujourd'hui, nous recevons cet Esprit vivifiant, la régénération, la sanctification, le travail de l'Esprit Saint dans nos vies, dans nos cœurs. Mais nous attendons encore mieux. Nous attendons encore l'œuvre parfaite du Saint-Esprit en nous. Au dernier jour, son Esprit vivifiant nous ressuscitera. Et notre corps sera alors entièrement sous la direction du Saint-Esprit. Et alors ce sera vraiment merveilleux. Nous serons rendus parfaitement saints comme il est saint. C'est difficile à imaginer. Hein? Entièrement saints comme il est saint. Resplendissant de gloire à l'extérieur mais aussi à l'intérieur dans l'environnement parfait de la nouvelle création. Alors, chers frères et sœurs, sommes-nous prêts à mourir? Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort, il est le fondement de notre espérance. Il promet de nous ressusciter incorruptibles, en pleine santé, rayonnant de beauté. Sommes-nous certains que cet avenir nous appartient? Le premier épi de maïs a, a mûri. Ayons la pleine confiance que la grande récolte suivra bientôt. Quand nous sommes affaiblis, malades ou devant la mort, ne doutons pas de notre résurrection. Il n'y a pas de plus grand encouragement. Nous sommes promis à un brillant avenir. La promesse de cet avenir nous soutiendra nous guidera, nous réconfortera chaque jour dans l'attente de son retour.